Salut les amis, bonsoir à tous. Il fait beau, il fait chaud et on est ce soir au Petit Pavillon pour l'ouverture des fiestas du Petit Pavillon. Ben voilà, comme d'hab, on va aller boire des coups et puis on va aller parler à des gens, leur demander ce qu'ils pensent de la soirée. C'est parti. Alors, est-ce que tu passes une bonne soirée déjà pour commencer? C'est le début. Bah oui, c'est le début de la soirée, mais évidemment, c'est une super soirée. Comme tous les jeudis. On lance la saison et c'est tous les jeudis à partir de 14h. Tu viens, tu chill, tu bronzes et après, bah, jusqu'à minuit, tu fais la fête. Et voilà, au bord de l'eau, sur le plus beau ponton de Marseille. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ouais. Non, c'est trop bien, c'est la folie. Il faut venir ici, c'est vraiment, c'est exceptionnel. Mais alors, je vois, par contre, t'es à la Badoit. Eh, parce que je suis au régime. C'est vrai? Eh ouais, faut que je perde un peu de poids. Après, je boirai. Bon, je reviendrai et je viderai les caves. La bière, ça fait pas grossir? Ah si, ça fait grossir. Ouais. En grande quantité. Claire, est-ce que tu passes une bonne soirée? Ouais, carrément. On est arrivé à 18h30, là, il y a la nuit qui est tombée. Et bah voilà, ma cassette a beaucoup de succès, comme vous pouvez le voir. Et ouais, ça va, ça se passe bien. Elle est mignonne. Et Flore, qu'est-ce que tu penses du lieu? Alors moi, j'adore. Le Petit Pavillon, j'y suis tous les étés. C'est le signe des vacances qui commence. J'aime bien. Tu découvres le Petit Pavillon? Exactement, c'est la première fois. Et bah, le cadre est quand même, grâce à Flore, merci, et le cadre est quand même splendide, là, on est bien placé, on n'a pas à se plaindre. Très bonne soirée, on était en train de dire qu'il y avait beaucoup d'ambiance. Tu connais le Petit Pavillon ou pas? Je connais la première fois, ouais. La première fois que tu... Je suis marseillais et c'est très cool, ouais. Et tu penses quoi du cadre? Ah, super, ouais. J'ai appris que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Bon, bah, joyeux anniversaire. Merci. Tu fais quel âge? T'as le droit de mentir. 25. 25? Oui. Bon, bah, bon anniversaire pour tes 25 ans. Alors Maxime, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu passes une bonne soirée déjà? Ah, excellente. Tu connais le Petit Pavillon? Je connaissais, mais c'est la première fois que je viens. C'est la première fois que tu viens et t'en penses quoi alors? Bah, je trouve que la soirée est hyper sympa. Le seul truc, c'est qu'il nous manque des tables. C'est dommage. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. Bah, du coup, pour poser quoi? Pour poser ton verre? Effectivement, et j'ai toutes les bouteilles qu'on achète, les ribambelles de bouteilles. On est trop bien. La soirée se passe hyper bien et vraiment, ce sera très cool. JC et Tony, bonsoir. Bonsoir. Jade, bonsoir aussi. Bonsoir. Alors, est-ce que vous allez bien? Excellent. C'est anniversaire à Tony. C'est mon anniversaire en plus ce soir. Voilà. Joyeux anniversaire, Tony. Merci beaucoup, on est habitué, ce soir on est présent. Voilà. Et donc en fait, on vous avait interviewé l'année dernière au Petit Pavillon. Exactement. Et donc un an après, on vous retrouve. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas bougé? Bah non, si, on a bougé, mais on revient toujours là où on se sent bien, donc on revient au Petit Pavillon. Voilà. Ben, c'est un super endroit, c'est l'endroit où il faut être. The place to be. Et pour ceux qui veulent les revoir, il y a la vidéo de l'année dernière au Petit Pavillon. À l'année prochaine. À l'année prochaine, les gars. Merci. Merci. Bon, Nicolas, est-ce que tu passes une bonne soirée? Ouais, la frappe. Merci, frérot. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au Petit Pavillon? Non, c'est pas la première fois. Tu connais bien? Ouais. Et tu penses quoi du lieu? C'est la bombe. Ouais. C'est tarpin bien. En tout cas, tes amis, ils ont l'air de bien t'aimer. Ah ouais, ouais, ouais. Te prendre des petits bisous. Ils sont un peu homosexuels sur les bords, mais bon, ça va, c'est mes collègues quand même. Ça passe. Ouais, bah écoute, on respecte. Hein, on respecte. Et tu roules quoi là? Une roulée. Ah, c'est une cigarette. Ouais, c'est une cigarette. Ah bon, ça va, je témoigne. Le pétard, c'est pour après. Bonsoir, est-ce que vous passez une bonne soirée? La bonne soirée, ouais. Est-ce que vous êtes déjà venu au Petit Pavillon avant? Non, moi, c'est la première fois, mais franchement, très bonne ambiance. C'est lui qui m'a amené. Ah, c'est sympa, il y a vraiment bonne ambiance, hein, c'est pas mal le cadre. C'est la première fois que tu viens au Petit Pavillon? Non, je viens depuis 2 ans. C'est très bien. C'est les apéros. C'est l'habitué. Toi aussi, t'es un habitué du coup? Non, c'est la première fois cette année, mais c'est sympa l'après-midi et tout. Il y a les transats et tout, c'est vraiment cool. Vous êtes marseillais? On travaille ici, mais on n'est pas marseillais, non. ça veut dire quoi? Il revendique ses sources alsaciennes. Ah, t'es alsacien? Alsacien, ouais. Et t'es venu travailler ici? Voilà, c'est ça, ouais. Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles pour la ville? Je travaille pour la ville, ouais, je suis marin-pompier. T'es marin-pompier? Voilà, ouais. Ok, ouais, ça se passe bien marin-pompier à Marseille? Non, c'est très bien, ouais. Quand on vient d'Alsace? Ouais, le cadre il est bien. Ouais? Ouais. Il y a la mer, il y a tout, il y a ce qu'il faut, il y a l'apéro, c'est bien. Et du coup, tu préfères la bouillabaisse ou les spätzle? Ah, je préfère les spätzle. Tu préfères les spätzle? Ouais, ouais, la bouillabaisse c'est dur quand même.